Regardons bien ces segments fléchés. Quand je pars de l'extrémité d'un segment pour aller à l'autre, je glisse ici en ligne droite. De la même façon, si je pars de B pour aller à B', ma flèche va suivre la même, une ligne droite parallèle à la précédente. Ici, de la même façon, pour passer de C à C'. On dit que c'est la même translation qui transforme A en A', B en B', C en C'. Bien, pour caractériser cette translation, on lui associe ce qu'on appelle un vecteur. Ici, ce vecteur, je décide de l'appeler U. Vous voyez comment se note le vecteur U, un U avec une flèche. Donc ce vecteur U a en fait sur le dessin qui est ici plusieurs représentants. BB' c'est un représentant du vecteur U. CC' est un représentant du vecteur U. On peut aussi parler du vecteur BB'. C'est le même que celui-ci, puisque c'est la même translation qui transforme B en B'. De la même façon, le vecteur DD', il est le même que le vecteur BB'. Pour caractériser la translation, on lui associe un vecteur. La direction, bien sûr, de ce vecteur, c'est celle de A', BB', CC'. Son sens est celui de A vers A'. Et sa longueur sera la longueur ici du segment fléché. Donc, par définition, la translation de vecteur U est la translation qui transforme A en A', B en B', C en C', D en D'. Vecteur U est égal à A', AB', ACC', ADD'. Donc, des vecteurs égaux ont la même direction, le même sens, la même longueur. Dire que A', le vecteur A' est égal au vecteur BB', cela veut dire que la translation qui transforme A en A' est la même que celle transformant B en B'. Si I est le milieu du segment AB, alors le vecteur AI est égal au vecteur IB. Ben oui, ils ont même direction, même longueur et bien sûr même sens. La réciproque est vraie. Si AI est égal à IB, alors I est le milieu de AB. Si on prend maintenant 4 points, A, B, C et D, si AB est égal à CD, si le vecteur AB est le même que le vecteur CD, alors A, B, D, C est un parallélogramme. Si AB est égal à CD, alors AD et BC ont le même milieu. Et AC égale BD. Enfin, réciproquement, si AD et BC ont le même milieu, alors AB égale CD et AC égale BD.